Salut à tous et à toutes, c'est Sky. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le premier jeu qu'on peut avoir avec le site pour avoir 8 et maintenant c'est 10 jeux pour 3,60 €. Donc c'est Crysis 2. Je vais vous faire, excusez-moi, je vais vous faire une petite partie sur le multijoueur pour vous montrer ce que ça donne. Pas que vous achetiez le pack pour rien, même si 3 euros c'est pas grave. Attendez, je vais aller ici, hop, rejoindre. Alors, les connexions sont assez bizarres dans ce jeu, je vous l'avoue. Alors, est-ce que c'est à cause de ce nouveau pack qui est sorti pour avoir tous ces jeux gratuits, enfin à 3,60 €? Est-ce que c'est à cause de ça, du coup, les serveurs sont blindés, et du coup, ça bug, je sais pas. Bref, je suis désolé, hein, je suis malade, donc au cas où si je renifle l'autre. Eh ben, ce n'est pas de ma faute. Donc, comme je vous ai dit, je ferai une vidéo sur chaque jeu que contient le pack. À ce qui paraît, il y aurait des nouveaux jeux chaque semaine. Donc, ça pourrait être juste énorme. Ça pourrait vraiment varier. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment un bon jeu. Personnellement, sur mon ordi, c'est tout mis en ultra direct, sans que je touche rien. Et putain, j'ai vu un mec déjà. Oh non, défaite! Putain, je suis arrivé dans une partie qui était finie. Oh merde. Putain, je me fais floude. En plus, ça, c'est toujours la même personne. Putain. Alors, je viens de rentrer du boulot. Faut pas m'énerver. Non, honnêtement. Et bah voilà, c'est la première fois que je termine une partie en entière. Puisque d'habitude, eh ben, ça met tout le temps en connexion interrompue. Enfin, que je finis une partie en entière. Vous m'avez compris. Alors, statut d'opération, je sais pas du tout où je vais. Regardez, je suis seulement niveau 5. Je devrais être niveau 10, je pense, mais comme ça quitte tout le temps maintenant. Plaque d'identité France. Ça, y a pas. Bon, bah, c'est pas grave. État de service. Ouais, d'accord. Bon, la partie va commencer. Oh, regardez, je suis un Français. Bon, allez, c'est parti. Donc, ce jeu-là, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est 3 quarts d'heure de chargement pour 2 minutes de jeu. Non, je rigole. Bref, on va essayer de faire une assez bonne partie. Ça serait plutôt cool. Alors, la deuxième vidéo, je sais pas si je la ferai sur Mirror's Edge ou Medal of Honor. Honnêtement, attendez, je vais me mettre en assaut, voilà. Alors honnêtement, je sais vraiment pas. Ouais, je sais pas. Et regardez les pings, par contre, c'est vraiment de la merde. On peut le dire clairement. Hein. Le mec, il a 700 pings. Non, mais après, ça sert à autre chose. Mais donc pour ceux qui connaissent pas, mais je crois même, je me demande si c'est pas du chacun pour sa poire. Non, apparemment pas. Oh, il les a eu à la mêlée. Bref, Crysis 2, c'est quoi? C'est un jeu assez futuriste. Vous pouvez par exemple. Regardez, lui, il était un invisible, cet enfoiré là. Il est où? Je l'entends. Ah! Oui, c'était pas magnifique. Si c'était pas magnifique. Et pour se mettre. C'est ce que je voulais vous parler. Pour se mettre en invisible, c'est la touche E. Voilà, et vous pouvez pas le garder éternellement, bien sûr. Ça utilise de, ça consomme une sorte d'électricité des. Oh! Oh, comme il m'a foncé dessus! Non, mais c'est quoi ce mec? Ah, mais il est niveau 48, il a l'habitude. Il a torché le jeu, quoi. Il me semble que le jeu termine au niveau 50, il me semble pas qu'il te prestige ou autre. Oh là là. Alors ça c'est le jeu qui est pas mal, mais quand il y a des personnes comme ça qui se connaissent, ils se mettent en un, ils nous voient, ils se mettent en invisible, ils nous foncent dessus et ils nous mettent un coup de poing, ce qui nous fait tomber par terre, tout simplement. Allez. Putain, il m'a fait peur. Et quand vous sautez, vous pouvez faire E. Merde, c'est. Attendez. Hop. Attendez, 5 secondes, je vais vous montrer ça tout de suite, mais. Avant, il me semblait avoir vu un mec. Non? Bon, bah, vous pouvez sauter et faire C, et ça défonce l'ennemi. Je pense honnêtement que ça doit le one-shot.
Après, je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense. Putain, j'ai peur de l'autre là. Honnêtement, j'ai peur de lui, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai peur qu'il me voit, qu'il se mette en invisible et qu'il me foute un putain de coup de poing. Oh non! Voilà, votre putain, voilà. Alors comme je vous ai dit, je sais pas si je suis le seul. Pour ceux qui ont déjà acheté le pack, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît, parce que ça me fait assez peur. Bon, on va choisir une autre partie. Ouais, au final, j'affirme, 3 quarts d'heure de téléchargement pour 2 minutes de jeu. J'affirme, j'affirme, j'affirme. Putain, on peut pas faire de bonne partie. Mais honnêtement, c'est vraiment un très bon jeu à essayer. Il y a le 3 qui est sorti, j'y ai pas joué. Mais honnêtement, il vaut le coup. Si vous le mettez, si vous prenez le pack, et vous donnez le minimum requis pour avoir les jeux, celui-là, vous l'avez à 80 centimes. Donc il faut sauter dessus. Honnêtement, je pense que les packs sur ce jeu, c'est à acheter. Sur ce site, pardon, c'est à acheter. Alors déjà de une, parce que c'est pour aider des... C'est pour aider des... Putain, ils étaient trois. Quelle bande d'enfoirés quand même, 3 contre 1, putain. Oh non! Alors attendez. Attendez. Putain, je peux rien faire en plus, ça. J'ai mon autre PC à côté, ça tourne bien, etc. J'ai 20 mégas, donc c'est pas moi. Ça, c'est déjà sûr. Et en ce moment même, je me fais kicker des serveurs de BF3 par le Punkbuster. Aucune idée pourquoi, bref. J'ai aucun cheat hein, au passage. Hop. Putain, serveur complet, retour. Ça me fait un... Ah, mais attendez, je rate jamais les pings ici avant de chercher une partie. Mais après, il n'y a que des pings de merde. Ah non, peut-être celui-là. Hop. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous conseille vraiment d'acheter des packs parce que de 1, ça vaut vraiment pas cher. C'était marqué dans la description que le pack entier avec BF3, Dead Space 3, etc., ça valait 215 $. En tout, il est à 4,80 $, donc environ 3,60 € il me semble. Et comme je vous ai dit, bah, ça aide des associations, etc. Et donc c'est une bonne chose. Et pour nous et pour les autres, donc tant qu'à faire, autant en profiter. Après, c'est que mon avis. Et puis, voilà. Après, il faut aimer un petit peu aussi le genre futuriste. Moi, perso, j'aime pas spécialement le truc futuriste, mais sur ce jeu, ça passe. Honnêtement, ça passe bien. Non, bah voilà, j'ai 44 de ping. Regardez, je suis le ping. Ah non, j'ai le moins élevé, mais il y a lui, là, à 34. Et je parie que je vais me faire encore éjecter de la partie où je sais pas. Et pourtant, c'est pas le Punkbuster. Hein. Ça le met pas, HM. Non, non, il n'a même pas sur ce jeu. Putain, allez. Non. Allez, recharge, recharge. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, d'accord. Je me le suis fait voler. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Bon, alors, ok, ce sera pas un super gameplay, mais je vous fais découvrir le jeu. Et moi, je le découvre à peu près en même temps. Parce que niveau 5, je vous avoue que c'est pas le top. Bon, allez, je me mets en invisible. Je fais mon fou. Ou pas d'ailleurs. Coup de pied, c'est quoi ça? Non! Et vous voyez, ça fait énergie faible. Là, si j'aurais réussi à tuer quelqu'un qui était là, au mauvais endroit, au mauvais moment, ça aurait été juste magnifique. Putain, par contre, cette partie-là, je vois personne. Là, là-haut, là-haut. Non, c'est un pote, ça. Putain, quel noob. Quel noob. Quel noob! Bon, pourtant on est pas mal quand même. Je comprends pas. Bon, vous savez quoi? Je vais suivre mes potes parce que eux ils doivent mieux connaître la map que moi. Surtout lui là. Eux. Et dès qu'on tire, on a beau ne pas désactiver le camouflage. Merde.
Dès qu'on tire, on a beau ne pas désactiver le camouflage, il s'enlève automatiquement. Ce qui me paraît un peu logique, parce que si on tire avec le camouflage machin, c'est super bizarre. Et là donc il faut défendre. Ah d'accord. Bon bah je découvre en même temps que vous. Vous avez sûrement découvert avant moi. Oh non mais. Putain. Bon allez, j'ai vraiment cassé 2-3 têtes là. Ce serait plutôt cool parce que voilà quoi, vous voyez les morts mais vous voyez pas comment ça fait quand tu quelqu'un. N'empêche, ce jeu est beaucoup plus. Je vais ramasser. Ah ouf. Il a pas mal ton arme. Donc faut aller là-haut apparemment. Putain, par contre, je sens que je vais me prendre une tête là par là. Bon, allez, je vais le capturer. Aïe! Aïe! C'est quoi? Ça va jouer comme des enfoirés là. Je l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Oui, c'est moi qui l'ai. Putain, je lui ai mis une tête. Abusé, j'étais pas dessus du tout. Allez, moi je le défends. Ça a l'air de se passer plutôt pas trop mal pour le moment. Putain, je suis en train de regarder la carte là. Elle me fait un peu stresser. Le pire c'est que. Oh, je les ai vus, ils arrivent. Et putain, je peux m'accroupir mais pas me mettre allongé. C'est quoi ce bordel? Il va me niquer. Non, c'est bon. Merci à mon pote. Et voyez, j'ai des coups de lag, hein, mais le jeu est en ultra 60 FPS par seconde. Vous le verrez pas parce que vous, ça bloque à 30 FPS sur YouTube. Mais honnêtement, il est magnifique. Dommage qu'il y ait ces petits coups de lag. Putain, alors lui, il me les carotte tous. Allez, regardez, je vais le laisser se faire tuer. Allez, crève. Voilà. Et voilà. Non, mais d'accord, bien fait. Bien fait, bien fait, bien fait. Non, faut que je le tue, faut que je le tue. Il était AFK, je l'ai pas tué. Ouf. Par contre, au niveau des. J'en masse une arme parce que j'ai plus de balles. Putain, il m'a fait peur. Au niveau des XP, c'est assez bizarre, hein, honnêtement. Aïe, aïe, aïe. Oh. Là, je me fais pas kick du serveur. Et c'est super. Enfin. Oh, le fumier. Il est sérieux? Il m'a mis combien de balles? Alors. Ah, d'accord. Excuse-moi, tu m'en as mis zéro. Non, non, mais c'est pas grave. Le mec, il te vise seulement pour te tuer. Non, non, mais c'est pas grave, pas grave. C'est bon. Personne. Ça campe là. Putain, alors lui. Lui, je dois me le faire. Je le dois. Plus de balles! Oh! Oh putain, ça m'a fait peur. En plus, ça, je sais même pas comment switch. Ah si, d'accord, c'est la molette comme les autres jeux. Merde, ça, c'est une grenade. Putain, je l'ai vu, le mec. Est-ce que je vais. Non, je pourrais pas monter. Quoique. Je préfère pas tenter. Je vais perdre du temps pour rien. Oh, il est où? Il est où? Aïe! Il est où? Oh putain, bien joué. Bien joué, je peux pas dire le contraire. Ah non, 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 d'accord. C'était une putain de campouse. Il s'est mis en invisible.
Et vous pouvez voir aussi mon manque d'activité un petit peu sur YouTube. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout ça dans une vidéo, un petit peu coup de gueule, hein. Je vous avoue que ces derniers temps, YouTube, ça m'a un peu cassé les burnes. On peut pas dire d'autres mots. Les YouTubeurs surtout. Au niveau de YouTube, comment dire ça? Je sais même pas comment l'expliquer. Les YouTubeurs, on est tous. C'est un monde d'enfoirés, tout simplement. Vous croyez que c'est peut-être un monde de bisounours ou autre, je sais pas moi. Mais non, loin de là. Loin de là. Les youtubeurs, enfin quelques youtubeurs, hein. De toute façon, je citerai ceux que j'aime pas ou ceux que je dois parler d'eux ou autres dans la vidéo, mais, parce que je vais pas le cacher, hein, voilà, c'est tout. Mais un youtubeur a été obligé. En fait, les youtubeurs, y a deux sortes de youtubeurs. Putain, je comptais pas en parler dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Il y a deux sortes de youtubeurs. Des youtubeurs qui essayent de s'améliorer contre la concurrence, entre guillemets, sur YouTube. Et il y a les youtubeurs qui essayent de faire couler le plus bas possible la concurrence pour pas qu'elle puisse tout simplement se relever et faire d'autres vidéos et autres. Mais de toute façon, c'est pas très clair, mais je vous expliquerai ça par la suite. Putain. Ah ouais. Et puis voilà. Je trouve ça assez hypocrite, médiocre. Et même essayer de fermer une chaîne parce que. Je vous parle pas de cette chaîne-là, hein. Pas du tout. Mais essayer de fermer. Putain, regardez mon ping. Essayer de fermer une chaîne pour. Parce qu'en fait, je vous expliquais. J'avais une chaîne avant. Et elle a été fermée à cause d'un mec. Tout simplement parce que j'avais fait le. On peut dire, j'avais fait le buzz sur la vidéo, vous savez, télécharger Newton 2025. Et lui aussi, sauf qu'il dépassait pas mon nombre de vues. Mais il a dû fermer ma chaîne par un moyen que je vous expliquerai dans la vidéo. Tout simplement. Et après, bah du coup, sa vidéo a grave buzzé parce que la mienne n'était plus sur YouTube. Et puis voilà. Donc je termine sur un score négatif. C'est super magnifique. Attendez, je vais juste regarder ça. Ouais, bon bah d'accord. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vert, à mettre un commentaire, à la mettre en favori, à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et aussi même à acheter ce pack, tout simplement, qui est magnifique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!